הפורט סלם מעות מעשיר שני, דור אורפה, הפורט סלם מעות מעשיר שני, בית שמאי אומרים, כל הסלם מעות. סלוי בזון כבה טרנספירי דה קדושה, דונק דה פטיט פייס, סור אין גרנד פייס, כאיזון אקזמפ כלכם, אקזמפ pour faciliter le transport pour aller monter à Jérusalem, c'est plus facile de monter avec des billets qu'avec des petites pièces. Hier, on a vu qu'on transférait la Kedusha sur de l'or, des pièces d'or, c'était pas bon, Et là, comment ça va être quelqu'un qui a, par exemple, donc des pièces, il veut transformer sur des pièces en argent. Papier. Non, pièces en argent. Alors, il n'y avait pas de papier. Oui, après, c'est le Mahmoud Masir Cheni, Betchamay Omrim, Kola Selmaout. Betchamay dit, on peut transférer toute la Kedusha de toutes les pièces que tu as sur une pièce en argent. Par exemple, quelqu'un qui a, par exemple, 100 euros, par exemple, il a le droit de transférer toutes les 100 euros en pièces sur un billet de 100 euros. Mais avant, il n'y avait pas de billet, il n'y avait que des pièces d'argent, donc il peut transférer sur une pièce qui fait 100 euros. Oui. Le Bethelel Omrim, Shekel Kesef, Shekel Ma'ot. Par contre, le Bethelel dit non, on peut faire moitié-moitié. Sur les 100 euros qu'on a en pièces, on peut transférer 50 euros sur une pièce d'argent qui fait 50 euros. Et le reste, on le monte en euros, en petite monnaie. Et on va voir pourquoi. Très bien. Rabbi Meir Omer, En Mechalim Kesef Verot al Kesef. Et Rabbi Meir, il dit comment ça s'appelle. Si jamais on a donc de l'argent et des perrotes, donc on ne peut pas transférer la Kedusha sur du Kesef. Par contre, ils vont permettre. Et on va voir tout ça. Donc, la première partie de la Mishnah, c'est quelqu'un qui a dans sa main donc des pièces en cuivre. En cuivre. Des petites pièces. Des petites pièces, disons donc des la pièces, menu, des jetons, des petites pièces. Fouta. C'est ça. Mais j'avais Sela Kesef, donc avec la contre-valeur. Donc, disons, il a 100 euros en pièces, il veut transférer la Kedusha sur une pièce d'argent de 100 euros. Comme c'est le din, il a le droit de transférer toute la Kedusha de toutes les pièces sur une seule pièce. Oui. Ils disent non. Et non, il n'a pas le droit de transférer toute la Kedusha de toutes les pièces sur une pièce. Et là, il fait moitié-moitié. Donc, moitié, il transfère sur une pièce qui fait une 50, par exemple. Et l'autre, il prend 50 euros en petite pièce. Quelle est la raison? Comme ça, il dit, si tout le monde va monter à Yerushalayim avec des grosses pièces, avec des billets de 500 euros chacun, il va monter. Or, c'est vrai que, par exemple, les pièces d'argent, ils sont des valeurs, mais pour acheter tous les jours, c'est comme quelqu'un qui va acheter, la petite monnaie, il va acheter une bouteille d'eau avec 1500 euros, ça ne marche pas. Il faut avoir des petites pièces. Alors qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont changer chez le changeur. C'est ça. Ils vont changer chez le changeur. Et à ce moment-là, donc, et le changeur, il va prendre un petit peu le taux. Il va prendre le taux, les commissions. Ils vont perdre l'argent. Et donc, en fin de compte, on va perdre l'argent de marché chez nous. Il dit, il y a la soune hamirel, donc il doit aller chez le changeur. À ce moment-là, lorsque la demande des pièces, des petites pièces, va grandir, donc le transfert de l'argent sur les petites pièces sera plus cher. Et donc, en fin de compte, les gens qui montent avec des pièces pour manger Yerushalayim avec, il faut les consommer entièrement sur le truc. Si jamais tu perds de l'argent, alors à ce moment-là, ça veut dire que le marché chinois a perdu un peu d'argent. Et c'est pour ça que le monsieur Abbé Télé, il dit non, il faudrait moitié-moitié. Donc, maintenant, Rabbi Meir a dit, maintenant, Mishnah va parler de quoi Bihlul Perot, Ma'asir Chini, ou Ma'ot, Ma'asir Chini, Bibat Ahat, Al-Madwi Ahurim. Maintenant, il y a une personne qui, par exemple, il avait, par exemple, des fruits, et du blé, par exemple. Il a transféré la Kedusha du blé sur de l'argent. Sur de l'argent. Et le fruit. Non, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent de Ma'asir Cheni, il a de l'argent de Ma'asir Cheni et d'autres fruits de Ma'asir Cheni. Voilà. Maintenant, comment ça s'appelle? Imaginons qu'il avait, comment ça s'appelle, des petites pièces de Ma'asir Cheni, comme on l'a vu avant. Il a, par exemple, je ne sais pas, 50 euros en pièces de Ma'asir Cheni, qui résulte d'une ancienne transfert de la Kedusha. Voilà. Et en plus, maintenant, il a des fruits aussi. Est-ce qu'il peut transférer la Kedusha des fruits et de l'argent en même temps sur une autre pièce? Imaginez que les fruits coûtent 50 euros et il a 50 euros. Est-ce qu'il a le droit de changer de tout contre un billet de 100 euros? Oui. Et il dit,
im hayuz him kogim. Or, on a un klal, on a une généralité, un enseignement qui dit que quoi, qu'on n'a pas le droit de transférer de la gdusha d'une pièce sur une autre pièce à ce qu'ils sont du même genre. Par exemple, du kesef, oui, c'est-à-dire que si vous avez par exemple du kesef, oui, une pièce de kesef en argent, vous voulez transférer la gdusha sur une autre pièce en kesef, on n'a pas le droit parce que c'est le même genre. Quelle exception dans certains cas particuliers où la pièce elle est usée ou elle est. Il faut expliquer mais si le pourquoi, parce qu'il faut que ça soit fait sur quelque chose de meilleur. De plus de valeur. Non, vous voyez bien comment il s'appelle qu'on peut transférer normalement Beit Shammai. Il dit non. Une pièce en kesef, on peut le transférer après à Hushem en petite pièce. C'est pas, c'est, non, c'est autre chose. Oui, mais c'est donc, normalement, si on a un problème, il y a un problème. 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 Si on a une pièce d'argent de Maasir Chini, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a de cette pièce d'argent sur notre pièce d'argent, on n'a pas le droit. Et la mise chef d'aide, à quelles conditions qu'il y a une différence. S'il y a une petite différence entre les trucs, on peut. Par exemple, quelqu'un qui était un peu usé, ou un peu abîmé, un peu truc, là, on préfère monter avec une bonne pièce que de tout. Maintenant, Rabbi Meir Omer, mais de votre kesef chez le Maaser Chini, au Perot chez le Maaser Chini, et là, qu'est-ce qu'on a? On a du Maaser, du kesef, ouais, et on veut le transférer cette doucha de ce kesef sur notre kesef. Or, on a un clair qu'on n'a pas le droit de transférer de kesef sur du kesef. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il vient Rabbi Meir dire? Regardez, on a de votre kesef chez le Maaser Chini, d'un côté, et aussi donc des fruits de Maaser Chini d'un autre. On veut transférer tout ça de Gdusha sur une pièce de Kesef. Ouais. Il dit, on n'a pas le droit de transférer la Gdusha sur une pièce. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de transférer du Kesef sur du Kesef. À Kesef. Ça, c'est la chute de Rabbi Meir. Mais Hamim, ils disent non. Ils disent, on a le droit. Et pourquoi? Ils disent non. Ici, ce n'est pas la Kavana de ce monsieur-là de transférer la Gdusha de l'argent sur de l'argent. Non, c'est que. Il a pour 60 ou 70 euros de fruits, oui. Il veut transférer la Gdusha sur une pièce d'argent, mais des pièces d'argent à 70, il n'y en a pas. Il n'y a que des pièces, par exemple, à 100 euros. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a? D'un autre côté, il a lui aussi 30 euros en Maaser Chini. Là, il dit qu'il va utiliser l'argent de Kesef Maaser Chini pour compléter tout simplement. Ouais. Mais ce n'est pas le but de transférer d'Agdoucha des pièces, petites pièces en grandes pièces. C'est ça. Comme il dit dans ce cas-là, en fait, ce n'est pas l'écart, c'est accessoire. C'est et tout le but, c'est seulement pour arriver à arranger la personne pour monter avec une pièce de 100 euros. Et il dit comme ça. Mais Kesef Maaser Chini et le Moussef Khan et la Kedeshim. Donc les deux, les petits argent, les petites pièces d'euros, ils ne sont pas là pour les transférer la Gdusha de elle sur une grosse pièce. Non, et la Gdusha, c'est seulement pour compléter la valeur des fruits. Comme on a dit, les fruits valent 70, donc il va rajouter 30 euros de Maaser Chini, comme ça pour compléter une pièce. Et dans ce cas-là, c'est moutard. C'est pour ça que vous m'écrasez, puis dites qu'est-ce que c'est Maaser Chini, tes fruits là, les pièces de Maaser Chini. Donc dans ce cas-là, donc, la transfert d'Agdusha de l'argent, voilà. Elle est vraiment presque annulée à côté du transfert de l'Agdusha de fruits, fruits vers une pièce. Donc ça, c'est la Mishnah. Okay. Donc maintenant, comment ça va? Donc on va arrêter la Gemara. Amar Rav Ashi, kol telmit haram she'eno kashe kebarzel, tout telmit haram qui n'est pas dur comme la ferraille, et no telmit haram, ce n'est pas un telmit haram, oui. Amar Rav Abba, les Rav Ashi, directive, comme c'est écrit, Eres Asher ibn Barzel. Comme la terre, c'est donc les pierres, elles sont en ferraille. Atikri Abaniha ne dit pas par exemple que ces pierres, elles sont en ferraille. Et la Bonia, elle est le constructeur. Amarabina a filo haché, mais elle est le nash de Milaf Nafshe ben Yehota. Il dit malgré que on doit être resté sur sa position comme du fer, c'est-à-dire solide comme du fer, oui. Malgré tout, ce n'est pas une raison pour se comporter avec colère ou avec hakpada. Il peut agir avec compassion. Et là, il veut, avec un peu de tendresse, ça peut faire que du bien. Tout à fait. On lève la colère de ton cœur. Comme ça. Il y a la manière. Le Maharsha Shuma met Aïret Arsino Kedusha, donc la prêche de la semaine, donc Ekev. Donc on a un passou qui dit Eres Seredobis Kunot Tuchab Alihem. לא תחסד כל כל בה, יש ארץ אשר רבני הברזל, ומראה תחסוב נחושת. אידי כמה שבארץ זה אמפיי,
où tu mangeras du pain sans pauvreté, c'est-à-dire il y a de quoi manger, c'est un pays riche. L'autre, ça colba, donc il n'y a rien qui manque. Il y a Ben Barzel, un pays dont les pierres sont en ferraille, où Marira Tarsov Nehochet, et de leur montagne, sortira le cuivre. Très bien. Amar Rabashi, quand il y a un cachet de Barzel, tout le monde qui n'est pas dur comme le ferraille, et nous avons le torah de Abraham, il n'est pas apte à avoir le titre de Talmid Chacham. C'est-à-dire que le mort, le hach est ici qui canne halakha. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'un Talmid Chacham ou qu'un rab, il a dit l'halakha elle est comme ça, il ne va pas commencer un peu à. C'est comme ça, c'est comme ça. Il va comme ça c'est ça. Il va pas comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il est dur comme le ferraille. C'est-à-dire qu'en fait, comme le ferraille, on ne peut pas le plier, il est dur. C'est pour ça qu'une fois que la halakha elle était tranchée, il a tranché la halakha. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il ne faut pas comme ça s'appelle. C'est pas un. Amar Rabbi Rashi. Ani Lomé disait Azoum Pasouk, il dit Rabbi Abba, il dit Rabashi. Moi j'apprends cela de ce Pasouk-là. Il reste chez Rabbi Barzel, donc une terre dont les pierres elles sont en ferraille. Donc Atikra Avaniha ne dit pas ces pierres, il l'a Boneha, des constructeurs, c'est des quoi? Qui c'est qui construit? C'est des Hachamim, des constructeurs. Très bien. Donc ils sont comparés à du Barzel. Amar Rabina, en Kavanata de Barim, c'est des Hacham, il s'agit de Asmo et Medata Tikifot. C'est pas qu'un Tim Hacham doit être Makpid, comme ça, tout ça. Non. Il a la dame de Hagil Asmo Nhog Benahat. Il faut l'homme, il faut que l'homme s'habitue à se comporter avec douceur. Avec douceur. Voilà. Oui, chez Niamar, c'est casse-moi des bras, parce qu'en fin de compte, il faut enlever toute couleur de ton cœur. Le Abaneha, il faut le mettre de côté. Non, il faut savoir comment. Non, il faut savoir, voilà, c'est-à-dire... Non, voilà ce qu'il veut dire. Non, c'est-à-dire... Il faut savoir ne pas bouger de l'alakha, c'est ça, mais savoir comment trans... Savoir. Tu as la tête de chapitre, elle est là. Matam d'Arshu Hassel, pas sur Zil, Akhamid Hakamim. Quel est le lien entre... Main de fer. Main de fer. Oui, c'est ça, exactement. Quelle est la raison que les Hakamim ont transféré le pasouk? Ils ont parlé de Talmidei Hakamim. Le pasouk, vous trouvez, c'est surtout, en fin de compte, c'est écrit de Pébachtout qu'en fin de compte, que cette terre-là, il y a de la ferraille, il y a de Nechochet, il y a de la cuivre. Quel est le lien avec les Hakamim? Kliyakar m'explique qu'il y a un pasouk, Olat Miha Rabati. Il dit que le Kliyakar, il explique, il dit que de ce pasouk-là, il y a un étonnement assez important. Il y a des questions à poser. C'est quoi? Parce que dit le pasouk, il commence à parler de manger. Bakhila, il dit que, comme c'est écrit, Eres Ashirudo Muskolot Tokhal Balehem, tu mangeras le pain sans pauvreté. C'est dit, il y a de quoi manger, c'est un pays riche. Oui. L'autre Hassar Kolba, il n'y a rien qui va manquer. Après, il dit. Il commence à parler de Matechot, de la ferraille. Il parle du barzel, du fer et du cuivre. Après, il continue. Et de nouveau, il revient sur la nourriture. Donc, tu vas manger, tu vas boire. Et quel est le lien entre maintenant Achila, entre la ferraille, le cuivre et tout ça? Comment ça se fait que cette ferraille-là est rentrée au milieu d'un sujet qu'on est en train de parler de manger? Entre deux mangeailles. La reine est c'est pour ça que les Hamim, ils ont donc, à cause de ces questions-là, ils ont compris qu'il y a quelque chose d'autre à attirer. C'est quoi? Que quoi la pesukim la loi oskim ben hagat rouyan et nomet le détra. Il dit tous ces pesukim-là, ils sont en train de parler de la manière du comportement d'un tamid hacham. Comment se comporter? C'est-à-dire. La terre d'Israël, elle a été bénie avec les sept fruits, oui, qu'on connaît, ou macharim, ou macharim, donc avec de manger du choix, le premier choix. Voilà. Malgré tout, les talmidei hachamim qui sont là-bas, avec toute la richesse, tout l'excès de fruits, tout ce qu'il y a des légumes qui est là-bas, malgré tout, les mécaniques, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se suivent avec un petit peu. Comme on a vu, comment ça s'appelle, le maire qui disait que. Lui, il se nourrissait de d'un Shabbat à un Shabbat avec du karoub. C'est pour dire qu'il se faisait avec peu. Ils mangent un peu de pain. Parce qu'eux, ils sont tellement dans. Ils sont dépassés le matériel, ils sont dans le limoud, dans l'enseignement qui est. Ils sont dans les. Dans le Olamot là-haut.
Ils ont pas cette envie de ils sont tellement déviés, ils sont tellement comment dire plongés dans l'étude que manger pour eux c'est donne-moi quelque chose à manger vite fait, secondaire. Donne-moi quelque chose à manger seulement pour pouvoir étudier. Alors moi dis il faut par exemple refaire pas sûr l'obus que tu chales balé hein et tu me dis hachamim et non miskinim sachez que tu me dis hachamim ne sont pas des pauvres. Et Achir ibn Barzel, hem hazakim, que Barzel sont durs comme la ferraille, que la Torah de Sham Moussif, hem kouwa. Parce que la Torah, elle leur donne encore de la force. Hum Moussif, qui yesh bekach remez de kalkala bira. Il dit aussi, de notre côté, il dit qu'il y a un signe pour une alimentation saine. C'est-à-dire que quoi? Il dit, Medina, je te chevais à Rotfim, haré, har mutarot, venam rassenim, et assam les tapek, betov, ou bebari. Il dit dans les villes, dans les gens, ils courent toujours vers les envies, ils ne se suffisent pas avec peu, c'est-à-dire qu'il va toujours plus et plus, ouais. Et ils ne se suffisent pas avec quelque chose qui est bari, qui est comment dire, bari, bon pour la santé. C'est-à-dire des légumes écologiques, en fin de compte, qui sont pires que les autres. Ils ont dit que c'est pire que les autres. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de différence. La seule différence entre eux, c'est que tu payes plus cher. C'est le prix. Mais l'intérêt, il est encore moindre. Ouais. Bref, dans tous les cas, c'est-à-dire quelqu'un, il se suffit. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont. Même un pays qui, dont les habitants courent pour remplir leur vente avec tout ce qui est d'état à vote, ce pays-là, elle ne peut pas tenir le coup. Donc, même du point de vue économique, elle ne peut pas tenir le coup. Et reste sur l'eau, même si le pays il est quand même riche, il y a tout ce qu'il faut, malgré tout, même un pays où c'est un pays donc riche, il va même se suivre avec un peu. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de manger seulement du pain. De manger, c'est-à-dire avec des trucs raisonnables. C'est-à-dire pas aller au-delà du truc. Pourquoi? Parce que la course, ça va arriver à quoi? À Pshitat Regel, c'est donc faire faillite. C'est-à-dire, en fin de compte, comme on voit, actuellement, quand il y a des difficultés, en fin de compte. Très bien, maintenant, on termine avec la partie Halakha. Donc, on est toujours dans Pidyon Haben. C'est-à-dire, peut-être la Kohen, comment ça marche maintenant? On voit que lorsque le Kohen, le père, il va racheter le gosse au Kohen au bout de 30 jours, il faut lui donner l'équivalent, on l'a vu, de 5 slaïm, 5 pièces en argent. Or, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on assiste à un Pidyon Haben, on voit que tous les gens qui sont là-bas, ils mettent des bijoux, ils ont le droit. Minimum, il faut 5 pièces d'argent, l'équivalent. Alors, ils prennent un plateau, ils remplissent avec des pièces d'or et des machins, ils enlèvent des bracelets, ils enlèvent des colliers. Non, mais ça, c'est le coin, ils sont en chambre. Mais ça, normalement, ça, c'est... Non, Il faut même aller emprunter chez la voisine. Oui, je dis comment ça s'appelle. Les gens, ils viennent, ils mettent sur la plateau. Mais normalement, le coin... Non. On peut donner plus que 5 pièces, c'est pas... Minimum 5 pièces. Si quelqu'un me donne, il vaut 10 pièces. Il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que les gens, ils donnent, ils savent très bien que le Kohen, il va les rendre. Or, ça, lorsque tu donnes des pièces, en sachant que le Kohen, il va nous rendre des pièces, et le Kenyan, il n'est pas fait. Voilà. Donc, tu n'as pas à écrire. Il n'a pas écrit Kenyan, parce qu'en fin de compte, parce que si jamais tu donnes, en connaissant ce que tu vas récupérer, c'est pas un Kenyan. Ouais. C'est comme quelqu'un, il va aller acheter un magasin. Mais il fait office, pardon de se contredire, il fait quand même office de Kenyan à la fin, parce que le Kohen insiste, je garde le bébé, je veux pas ton argent. Et il a tué là-dessus pour rendre le Kenyan un peu plus valable. Mais sauf vers la fin, parce qu'il échange contre l'argent. Mais on sait pertinemment qu'il va récupérer l'enfant. C'est un problème. Il faut quand même donner une certaine quantité d'argent avec mesure, c'est-à-dire qu'on va que peut-être que le Kohen il va garder parce qu'il a le droit de garder. Mais c'est pour ça, lorsque mettez donner une tonne de bijoux. Il faut que l'individu lorsqu'il va donner et ce qu'il doit pour acheter le gosse, il peut considérer qu'on perdu. C'est ça, il faut penser c'est maintenant, c'est-à-dire c'est un vrai achat.
Il faut qu'il donne le père à Kohen, oui, avec la pensée que quoi, que le Kohen va lui rendre. Parce que dans ce cas-là, ce don-là, ce n'est pas un don total. Et ben non, il n'est pas doué. Dans ce cas-là, son fils, il n'a pas fait le pidyon. Il n'a pas racheté. Maintenant, comme ça, il n'a pas le pidyon à Kohen, mais par contre, si quelqu'un il a donné avec Netunat Gmura, et le Kohen lui-même, il veut redonner l'argent, donc, là, il a le droit et le Kohen, il est valable. Il peut faire comme ça. Oui, il peut, parce que pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a acquis donc, le Kohen, l'argent en contrepartie de gauche, l'argent, il appartient au Kohen. Et dans ce cas-là, c'est comme son argent, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. Il peut le donner à celui-là, donner à celui-là, mm-hmm. il a même le droit de le donner au père de gauche. Omna maintenant. L'Oya Kohen Ragib, car la Hazet Maut, la Pidion. Mais il faut pas que le Kohen ait l'habitude de rendre l'argent du Pidion. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le monde va savoir que ce Kohen, il rend l'argent. Et il va aller que chez lui. Il va aller que chez lui. Dans ce cas-là, il va entraîner une perte. Si quelqu'un il veut rendre, c'est son truc, mais il ne faut pas le faire tout le temps parce que les gens, après, on va dire. Parce que normalement, le Karadine, il faut que Kohen récupère l'argent. Donc, c'est une sorte. C'est un deal. Il va casser le d'argent pour le Kohen. Mais. Si jamais il fait tout le temps, tout le monde va aller chez lui, et les autres vont perdre de l'argent. Omnam que Shepodim Him Ani. Par contre, lorsque Shepodim, les pères du gosse, c'est des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens, Rachai, le Hazir, le Him est un moment, il a la permission de rendre tout le temps l'argent. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas qu'il garde tout le temps de l'argent, c'est dans le cas, en fin de compte, où il y a des gens normaux de l'argent. Voilà. Mais si c'est des pauvres, il peut tout le temps lui rendre de l'argent. Maintenant, si vous devriez pas ce qu'il dit, maintenant, comment ça s'appelle, les temps, ils ont changé. Les temps, ils ont changé. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Maintenant que les Kohanim ne sont pas. On n'a pas de vraie filiation de Kohanim. Un, il dit il est Kohen, un, il dit Lévi. On se base sur une transmission orale, un petit peu en parenthèse, mais on n'a pas vraiment. Certitude. Comme on a vu, vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années à l'école, il y a quelqu'un qui montait comme Lévi. Ouais. Il montait comme Lévi pendant des années, pendant 20, 30 ans, il montait comme Lévi. Ouais, ouais. Et après, il s'est rendu compte que donc il n'était pas Lévi. En fait, parce que son père était décédé. Non, son père, la grand-mère, c'était une Lévi. Mais t'es marié, non Lévi. Donc le père n'était pas Lévi. Mais lui, il ne savait pas. Comme il savait que sa grand-mère était Lévi, alors je sais pas, il a pensé que son père était Lévi, donc il était Lévi. Mais en fin de compte, 20 ans après, il s'est rendu compte qu'il n'était pas Lévi, donc il a arrêté de monter Lévi. On dit qu'en fin de compte, les filiations ne sont pas une certitude, quelqu'un qui dit qu'il est Kohen. Alors maintenant qu'on a un savec, un doute sur la filiation de l'individu, oui. Maintenant ce Kohen-là, il va vendre le gosse. Il va toucher 5 slimes, oui. Mais si ce n'est pas un vrai Kohen, au fond, oui. Donc il est en train de prendre 5 slimes. Qui ne lui appartient pas. Alors, c'est pour ça qu'il dit, vu que maintenant que la filiation n'est pas encore tout à fait sûre, malgré qu'on voit, malgré ce Kohanim là, malgré qu'en parenthèse, on n'a pas une certitude que ce sont des vrais Kohanim, maintenant il faut être pour des négoces, on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça. Il dit, mais comme Macron, vu que la Kohanim a monté de sa vie, que la Kohanim a été de sa fête, il faut que l'individu se sépare, s'éloigne de tout doute. Vu qu'il a la somme qu'il récolte n'est pas justifiée. C'est pour ça que, dans ce cas-là, il peut être podé le gosse et en disant, en appelant ça, c'est quelque chose qui t'appartient entièrement, oui, lorsqu'elle est dans ta main. Mais il faut la rendre. C'est comme pour le loulav. Pour le lulav, quelqu'un, on doit faire la bracha de lulav avec un œuf qui nous appartient. Alors imaginez que quelqu'un, pour des raisons X, Y, il a perdu son lulav, il a oublié son lulav le premier jour de fête. Le premier jour de fête, il faut qu'il fasse avec son lulav à lui. Alors il va voir quelqu'un, l'autre lui dit je te donne ce lulav, c'est une matana, c'est un cadeau, donc il va t'appartenir à toi, à notre l'azir. C'est un cadeau tant qu'il est chez toi, mais il faut le donner après. Donc pendant qu'il est avec lui, donc c'est un cadeau total. Donc lorsqu'il fait la bracha, il est fait avec le sien. Et après il lui rentre et donc. Alors il dit, mais par contre il y a d'autres poskim qui disent non. Il a le droit, la permission de garder l'argent malgré qu'il y a un safek, ça change rien. Il peut garder l'argent. Eh bien, c'était aujourd'hui. Bonne vacances.